Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Nous sommes chez Hell Kitchen, ils nous ont invités à manger et du coup nous on leur a dit ok, mais on va tourner une émission chez vous et on vous invite à manger nos Bad News et je crois qu'ils ont dit oui. Merci messieurs. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger. Nous sommes la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous ne sommes pas là que pour rire, nous sommes là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Mais aujourd'hui, c'est pas des brochettes qu'on mange, mais des burgers. T'as vu? Parce que j'ai adapté au lieu. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et on a quelqu'un en cuisine, vous avez vu? On se la tape Burger Quiz. Coucou. Il est en train de fabriquer des Bad News. À la fin de l'émission, il nous fait un burger à son pénis. Messieurs, vous avez des menus devant vous. Vous avez des entrées, des plats et des desserts. Je vous invite à choisir une entrée et chaque entrée est une bad news. Ton prénom? Alors, je m'appelle Zef. Zef. Alors, pour Zef, ce sera en entrée la piscine. La piscine de Pascal. La piscine de Pascal. Et pourquoi tu as envie de prendre une piscine de Pascal? Oh bah, on est dans une petite période estivale, ça fait plaisir, un peu de fraîcheur. Et bah sache que c'est pour ça que je l'ai choisi. Cette bad news est arrivée à Paris il y a quelques semaines à peine. Ça se passe dans une piscine parisienne, donc une douzaine de jeunes décident d'aller à la piscine, sauf qu'ils n'ont pas d'argent pour rentrer. Donc, ils forcent l'entrée et il n'y a que deux vigiles. Et les 12 jeunes passent les vigiles, entrent dans la piscine. Forcément, ils n'ont pas de... Ils ont pas de bonnet de bain et ils n'ont pas de maillot de bain non plus. Du coup, ils se mettent en caleçon et ils commencent à plonger dans la piscine. Attends, mais les vigiles, ils les ont passés comment? Ils ont poussé les salariés. Les salariés ont fait « Non, mais non, faut payer, ah ben non, machin !» Ils ont fait « Pop, pop, pop !» Ils sont tous passés en même temps. Et les mecs ont rien pu faire. Ça, c'est la canicule, ça. C'est la canicule. C'est la canicule. Ça échauffe les gens. Exactement. Voilà. C'était des ados entre 13 et 15 ans. Oh putain. Les gens ont appelé d'autres vigiles. Et là, les mecs sont arrivés à beaucoup. Et vu que les mecs faisaient des bombes dans l'eau, faisaient chier un peu les utilisateurs, ils étaient 1000 dans la piscine. C'est une piscine immense. Il y avait 1000 personnes. 15 gamins sont arrivés. Il y avait 1000 personnes. Ils ont essayé de virer les gamins. Les gamins, ils ont fait ah ouais, ah ouais. Ils ont sauté dans l'eau et ont tous chié dans la piscine. Pendant qu'ils sortaient certains de la piscine, il y en a un qui s'est éloigné et qui a chié dans le pédiluve. Non. Il faut savoir que quand il y a du caca qui est trouvé dans une piscine, il faut désinfecter. Et pour désinfecter l'eau, il faut 24 heures. Donc ils ont dû évacuer entièrement la piscine et virer 1000 personnes qui ont demandé des remboursements suite aux 14 caca. Heureusement que c'était pas un bain remous du coup. Non, heureusement. Merci pour ta bad news, Pascal. Ensuite, qui prendra quoi? Moi, je vais prendre le scooter. Une scooter? Ouais. Tu t'appelles comment? Mehdi. Mehdi, pour lui, il voudrait une scooter. Alors, Mehdi, il y a des images. Ça se passe en Allemagne. Il y a quelques semaines, on parlait de période estivale. Voici ce que les Allemands ont arrêté. La semaine dernière, ce monsieur en scooter. Que vous voyez tous à l'image. Alors ce monsieur, qui est assez âgé quand même, comme on peut le voir, était à poil en scooter et a été arrêté par la police allemande. Vous savez, quand la police l'a arrêté, ils lui ont dit « Mais pourquoi vous êtes à poil ?» Enfin, en allemand, on leur a « Ah, was du es as à poilas ?» Et le mec a répondu « Il fait chaud, hein ?» Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout. C'est vrai qu'il fait chaud. Et du coup, baladez-vous en scooter, la bite à l'air. Il avait un casque quand même. Je tiens à préciser. Il n'est pas complètement hors la loi. Il est sorti couvert. Ouais, sortait couvert. Et ensuite, la dernière. J'aimerais torche. La torche, torche. Alors, j'ai mis torche parce que on peut faire un jeu de mots. C'est Alexis qui nous a envoyé sa bad news à lui. Donc, c'est une vraie bad news qui est arrivée à sa maman. Sa maman travaillait en tant qu'infirmière dans les années 80. Elle était assistante de chirurgien, et chirurgien attaché aux urgences. Et un jour, un monsieur est arrivé avec un problème au niveau du fondement. Il se trouvait que le monsieur s'était enfilé une lampe torche dans l'anus. Mais là où on rejoint la bad news, là où c'est beau, c'est qu'en fait la lampe torche était allumée.
attendez, attendez. Et du coup, quand le chirurgien devait regarder pour l'enlever, il était ébloui. Ah, Dieu. Du coup, ils pouvaient pas voir. Et ils ont dû attendre que les piles soient mortes pour terminer l'opération. Ils sont amusés là. Oh là là. Merci beaucoup, Alexis et Bagnou, je l'ai adoré. Voilà. On passe au plat. Thomas. Oui. Eh ben écoute, j'aimerais bien. Allô, c'est maman de Lucas. Ah, Lucas, Lucas, tu m'as fait plaisir avec cette bad news. Alors, allô, c'est maman. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à Albuquerque aux États-Unis. Un soir, elle s'ennuyait profondément et elle avait le dernier Samsung qui a un mode vibreur. Et elle sait. Tu sais comment ça va finir cette affaire. Elle sait. Non, tu sais pas comment ça va finir. Ah ouais. Tu sais comment ça commence, mais tu sais pas comment ça finit. Elle sait bien sûr carrer son téléphone Samsung dans la chatte pour se téléphoner elle-même et se faire vibrer l'intérieur. Bien évidemment. Bien évidemment. Le téléphone est resté coincé. Évidemment. Elle a dû aller à l'hôpital. Alors je sais pas si elle a vu la maman de la bad news précédente. Mais bon, elle est allée à l'hosto. Ils lui ont retiré. Sauf que, après avoir inséré son téléphone portable dans son vagin et n'avoir pas été en mesure de le récupérer pendant 96 heures. Ok ? Sa mère pouvait l'appeler, elle pouvait pas répondre. Elle a décidé d'aller voir un avocat pour porter plainte contre Samsung. Il y a des gens qui doutent de rien, j'adore. Ouais. Je voulais voir ce que ça ferait, c'est ce qu'elle a dit au tribunal. Je voulais voir ce que ça ferait de mettre mon téléphone portable en mode vibration à l'intérieur de moi, juste pour m'amuser, mais cela s'est vite avéré être un cauchemar, a-t-elle déclaré au juge Andrew Peterson en larmes. L'avocat affirme que sa cliente a été contrainte de subir une césarienne pour retirer le téléphone. Il déclare « Samsung est définitivement en faute ici, car il n'offre aucune mise en garde concernant les dangers et les risques potentiels liés à l'insertion de leurs produits dans les cavités corporelles ou les organes génitaux de leurs clients, hommes ou femmes. » Ils ont pas prévu une petite poignée. Bah dis donc. Bah dis donc. Le porte-parole de Samsung a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire. Meilleure réponse. Donc voilà, on sait pas où c'est allé. Pour l'instant, elle n'a pas gagné, heureusement. Mais peut-être que Samsung va mettre dans leur petite notice à l'avenir. Ouais. Ne pas insérer un petit logo dans votre corps. Pas dans le cul. Voilà. Pas dans le cul. Pas dans le cul. Tu veux quoi comme plat ? Un bouclier et épée de pierre. Bouclier et épée de pierre. Ah, bouclier et épée. Est-ce que vous aimez les Pokémon ? Ah ouais. Vous adorez Pokémon ? Ouais. Et vous avez vu comment s'appelle le prochain Pokémon ? Pokémon bouclier et Pokémon épée. Ah oui. Pokémon vraiment. Bouclier absolument. Et Pokémon épée. On a testé d'ailleurs avec Davy, vous pouvez voir la culture Z. Eh bien, on va parler de bouclier et épée. Et sachez que en Allemagne, ce n'est pas des Pokémon, mais des nazis. Je sais pas si Nintendo sont au courant que les rencontres bouclier et épée en Allemagne, c'est des rencontres de nazis, de néo-nazis. Ah. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis qu'en Allemagne, le jeu risque d'avoir plus de ventes que d'habitude. Voilà. Donc, ça se passe en Allemagne. Dans une petite ville d'Allemagne, les néo-nazis se sont dit qu'ils allaient se retrouver pour faire leur réunion annuelle qu'ils appellent bouclier et épée. Sauf que la petite ville d'Allemagne s'est dit oh, on n'a pas hyper envie d'avoir, je sais pas combien ils sont, 1000 néo-nazis qui débarquent. Donc du coup, on va porter plainte, on va faire des manifs et tout ça. Sauf que la mairie a dit non, vous faites pas de manifs, vous avez pas le droit et tout ça. D'accord, mais nous on veut pas que les néo-nazis viennent. Ce qu'on va faire, la mairie décide d'interdire la vente d'alcool aux néo-nazis dans les bars. Mais les gens de la ville se disent « Mais ils vont aller au supermarché et acheter des bières. » Alors toute la ville s'est mise d'accord pour acheter tous les stocks de bières de toute la ville. C'est-à-dire que quand les néo-nazis sont arrivés, ils avaient de l'eau à boire ou du coca. C'est beau quand même, cette organisation de fou. Et une population totalement bourrée, je dirais aussi. Ah bah les mecs, ils ont bien vu, hein. Voilà, c'est une super bad news qui est une good news finalement. Finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est une très bonne good news. Bah, puisque je vous rappelle qu'il faut tuer les nazis. Je connais cette théorie, oui. Ah oui, c'est cette théorie où on inverse les méchants, en fait. Tu vois. Ensuite, nous avons... Moi, j'aimerais bien la douche. La douche de Yaoshan, ça c'est la bad news de Yaoshan, c'est sa bad news à lui.
quand il était enfant, ses parents, on est dans une famille un petit peu bourgeoise, ils ont reçu une dizaine de personnes chez eux, plein de familles de gens bourgeois, voilà, hommes et femmes, voilà, en couple. Lui, il a 10 ans à peine, et les deux personnes qui sont à côté de lui à table, il ne les connaît pas, c'est un jeune couple. Et à un moment, la jeune femme a envie d'aller aux toilettes, et elle dit à son copain, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et lui, il entend la dame dire ça, et vu qu'il est facétieux et qu'il a 10 ans, il dit « Ah mais chez nous on n'a pas de toilette, on fait tout dans la douche ». La jeune femme le regarde genre « Il dit « Bon bah ok, elle aime pas l'humour » et il laisse le truc de côté et la soirée se passe très bien. Jusqu'au moment où tous les invités s'en vont, la maman de Yao Shan va dans la salle de bain, appelle son mari et dit « Mais dis donc, qui a chié dans la douche ?» Ils n'ont plus jamais revu ces gens. T'imagines, trimballer un caca de quelqu'un que tu connais pas. Oh bon, bref, c'est un joli cadeau de fin de soirée finalement. Merci pour le repas. Il t'en reste plus qu'une, je pense. Ouais, je vais te prendre la dysmorphophobie d'Alexis. La dysmorphophobie d'Alexis. Qu'est-ce que la dysmorphophobie? Et si on arrive à dire. Dysmorphophobie. Dysmorphophobie. C'est ça? C'est ça. Dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Qu'est-ce que la dysmorphophobie? Des choses déformées. Ouais, la morphologie déformée, les os plus petits que les autres. C'est pas tout à fait ça, c'est plus large. C'est la peur d'être laid. D'accord. Oh, pitchoun. Voilà, de pas s'aimer, quoi. Voilà. Ah, donc c'est sur soi-même. Ouais, c'est sur soi-même. Ah, c'est pas sur les autres, c'est pas tu te bats dans la rue d'un coup tu vois moi, je suis... Voici la bad news d'Alexis qui nous raconte donc l'histoire de Danny Bowman, qui est un Anglais de 19 ans. Avant de partir à l'école, je crois, décide de se faire un petit selfie pour Insta. Sauf qu'il se fait un selfie et il se trouve laid sur le selfie. Donc il se dit, ah, je vais en refaire un. Donc il refait un autre selfie. Mais il se trouve toujours laid dessus. Donc il se dit, bah ce soir, quand je vais rentrer de l'école, j'en ferai d'autres. Puis bon bah il rentre de l'école le soir, puis il en fait 10, 15, 20, 30 selfies. Et à chaque fois, c'est pas le bon selfie. C'est pas le selfie qu'il faut, quoi. Ses camarades se moquaient énormément de son physique. Donc quelque part, et peut-être qu'il avait envie de trouver le selfie parfait pour se dire ah, là je suis beau. Donc il continue. Et après avoir raté son premier selfie, puis après il a raté un casting parce qu'il voulait faire du cinéma et tout ça. Pendant 2 ans, il fait des selfies. Et c'est de pire en pire. 2 semaines après avoir commencé à faire des selfies, il en fait 80 par jour. Il prenait des selfies au lit, dans la salle de bain, à tous les moments de la journée. Ensuite, il se met à quitter la classe 3 fois par jour en disant « J'ai besoin d'aller aux toilettes pour faire des selfies aux toilettes. » Ok. Finalement, à 16 ans, il arrête l'école pour se consacrer aux selfies. Il a perdu énormément de poids puisqu'il ne mangeait quasiment plus, il faisait que des selfies. Bah, il n'y a pas le temps en vrai. Hein. En décembre 2012, il craque. Il dit « J'avais pris plus de 200 photos ce jour-là et je n'arrêtais pas de les regarder, il n'y en avait pas une seule que j'aimais, je pouvais plus le supporter et je me suis gavé de médicaments. » Il le dit à sa mère quand elle l'emmène à l'hôpital pour faire un lavement. Il a été diagnostiqué dysmorphophobe, sauf que lui, avec Instagram et tout ça, il se prenait en photo, donc il voyait les erreurs de son corps et donc il est devenu complètement accro. Il a dû rentrer dans un hôpital spécialisé pour être... Des infectiques. Et aujourd'hui il va très bien et il ne fait plus de selfies. Ah, c'est un peu le mythe de Narcisse mais en version 2019. De ouf. Ouais, il a complètement tombé à tout jamais dans l'océan du selfie. On va passer au dessert, les amis. Vous allez tous prendre le même dessert. Et le dessert, c'est la bad news de l'inconnue. Elle n'a pas voulu que je cite son nom, puisque son prénom est tellement peu usité en France qu'on allait la retrouver. D'accord. C'est quoi son nom, dis-moi normal. En effet. Voilà. Shakira, il a dit. Ouais, bon, Shakira, excuse-moi. Donc, on est parti. Jeanne. Au secours. Passe des vacances entre potes à Amsterdam. Ils s'amusent bien, ils font une petite teuf. Bon, ils sont un petit peu défaits, mais tout va bien. Ils vont en boîte de nuit. Ah, super soirée. Le séjour s'arrête le lendemain, donc du coup, faut profiter. Jeanne roule des pelles à un mec dans la soirée. Un mec bien la chauffé et tout, ça se passe hyper bien. Elle le trouve super beau. Elle lui roule des galoches. Et le mec, à la fin de la soirée, genre 1h, 2h du mat, il fait « Tu viens à la maison ?» Et Jeanne, elle regarde sa montre, elle dit « Non, putain, j'ai un avion hyper tôt, non, putain, il est beau et tout, mais non. »
Elle fait non, non, je suis désolé. Mon fils, elle insiste. Elle fait, allez, viens, viens. Elle fait non, je peux pas. Je décolle demain, je peux pas. Donc Jeanne s'en va. Elle arrive en France et 24 heures plus tard, elle développe sur son corps des boutons, des plaques, des grosses plaques et machin. Et elle se dit, oula, je vais pas bien. Elle est vraiment mal. Et elle va à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils font des analyses et ils se rendent compte que c'est des allergies qui sont développées lorsqu'on est en contact avec de la chair humaine. Il semblerait que le monsieur qui l'invitait chez elle ait été arrêté quelques temps plus tard à Amsterdam pour être un cannibale. Des corps ont été retrouvés chez lui et elle a bien fait de vouloir prendre son avion. Oh bah écoute, hein, bon app. Et donc ça tombe bien qu'on soit dans un restaurant parce que ici la spécialité donc... C'est la viande humaine. Ça s'appelle El Kitchen, c'est pas pour rien. Excusez-moi, j'ai oublié une bad news et la bad news en plus c'est une bad news de Hugo. Voilà. C'est arrivé un ami espagnol, on va l'appeler Pablo. Pablo. Pablo passe une soirée dans un bar et boit quelques verres. Pablo, il est là. Là, il rencontre une jeune fille qu'on va appeler Elena. Elena. Les deux s'apprécient beaucoup. Quelle calor. La soirée, ça passe hyper bien. Pablo et Elena ont envie d'aller plus loin ensemble. Yeah, c'est ambiance caliente. Ah, ambiance méga caliente. Donc Elena accepte de suivre Pablo chez lui. Est-ce que tu la ferais pas en espagnol cette bonne news? Je risque de vraiment avoir des insultes. Et je sous-titre pas. Donc, Pablo dit à Elena, ça ne dirait pas qu'on baise. Et Elena, elle fait plutôt deux fois qu'une. Si. Eh, fille, alors, hey, il la ramène chez lui. Et la nuit, ça passe effectivement très très bien. Il baise jusqu'à plus soif. Sauf que le lendemain, Elena doit aller travailler ou à un rendez-vous et est obligée de partir alors que Pablo dort encore. Pablo se réveille, encore émerveillé de cette fabuleuse nuit qu'il a passée avec Elena. Il a le sourire sur les lèvres et se rend dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Et là, sur la table, il voit un petit mot de poser et à côté, un petit paquet de sopalin. Pablo prend la petite lettre, l'ouvre et c'est un message d'Elena extrêmement mignon qui dit « J'ai passé une super soirée et une super nuit. J'espère qu'on se reverra. » Pablo, il est à donf et après, il ouvre le petit cadeau à côté et découvre un étron. Et là, Pablo commence à être un peu... dubitatif. Oui, il est dans l'ambiguïté de la situation, si vous voulez. Il se dit, quel est le message? Qu'est-ce que Elena a voulu me dire? Donc, il envoie des SMS à tous ses potes, dont le pote qui nous ramène, rapporte cette histoire, en disant, alors, vous, on vous laisserait un message, j'ai envie de te revoir, et une merde. Vous penseriez quoi? Je la rappelle ou pas? Et là, les mecs lui font, mais arrête, t'es ouf, elle est complètement tarée. On laisse pas un étron à quelqu'un après avoir passé une nuit avec lui. La rappelle pas. Sauf que Pablo a vraiment les beaucoup joueurs. Ah, il a beaucoup aimé Elena. Du coup, il lui envoie un message et il lui dit « Oui, je voudrais bien te revoir. » Quand Elena arrive, elle est toute rouge. Vraiment, elle est pas bien du tout. Et lui, tout de suite, il commence à faire genre « Bon, bah, faudrait peut-être qu'on parle d'un truc avant d'aller. Hein, parce que t'avais laissé un truc. » Et là, « Oui, je sais. En fait, je me suis levé le matin et... j'ai voulu aller aux toilettes et puis ben, tes toilettes marchaient pas. Alors quand j'ai tiré la chasse, ça portait pas. Alors j'avais honte. Alors du coup, j'ai pris mon caca et je l'ai empaqueté. Et puis j'ai voulu te laisser un mot parce que j'ai vraiment passé une soirée super avec toi. Et puis après, je me suis dit, je suis en retard, je suis parti et j'ai oublié mon caca avec moi. Et vous savez quoi? Pablo a ri. A trouvé cette histoire tellement belle et ils sont encore ensemble. Waouh, c'est beau ça. Hein, moi c'était... je dis des applaudissements pour oui. Pablo et Elena. Voilà. C'était pour terminer en beauté les bad news parce qu'on part en vacances. Ça y est, enfin non, il y en a encore une bad news mardi. Mardi, ouais. Et après on part en vacances. Merci mais à tous. Ouais. C'est marrant parce que donc je sais pas si cette bad news est fausse ou quoi ou machin. Enfin on s'en bat les couilles. Mais Flaubert il en a raconté une plusieurs fois dans le podcast où la meuf elle a chié chez le mec. Ça marchait pas, du coup elle l'a foutu dans sa plastique, elle l'a posé sur la table, elle a récupéré ses affaires, elle est partie, elle a fermé la porte et elle a fait « Merde, j'ai oublié mon caca sur la table !» Ah ouais ? Donc vraiment, même histoire quoi. Bah ouais, bah je sais pas. Ma foi. Non, mais... Merci à tous de nous avoir suivis, je vous rappelle que cette bad news est inédite, elle est le vendredi et on n'est pas dans notre décor, puisque vous avez donné plus de 1 000 € sur Tipeee au mois de juin, et donc c'est notre cadeau, voilà, 1 000 € de dépassé, une bad news supplémentaire. Merci encore à El Kitchens de nous avoir reçus, vous êtes dans le 12e. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci à tous, merci à vous de nous permettre de vivre et de survivre. Merci de partager cette émission, d'apporter la bonne parole à l'humanité. Et merci de donner sur Tipeee aussi ou sur Utip, comme vous voulez. Voilà, passez de très bonnes vacances et à mardi pour la dernière bad news de l'été. Ciao. 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 Pourtant.
que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer